Mario. Le Mario qui est le défi avec Sandrine. Alors, vous allez peut-être vous dire, il a réduit. Oui, oui, il a réduit. Parce que, sincèrement, en faisant, il y avait tout ça, toute la partie là, qui était que du marron, du beige du fond. Il y avait tout ça. Ça faisait presque 20 lignes qui étaient dans le vide, où il n'y avait rien d'autre à faire que la couleur. Donc, j'ai trouvé ça que c'était inutile. Et là, j'ai laissé du coup 4 lignes au-dessus de chaque endroit où il n'y avait plus de dessin. J'ai laissé 4 lignes de beige, 4 lignes là de beige. Donc du coup, là, la case, et je viens de la commencer, donc je vais la finir avec vous. Et là, du coup, bah, cette case-là est presque entièrement beige. Là, il y a beaucoup de beige, mais du coup, il y en a beaucoup moins. Et en bas, idem, idem, il y avait encore de nouveau les presque 20 lignes, donc j'ai coupé. J'ai coupé tout ce qui était en trop et qui n'était pour moi inutile, à part utiliser des pierres pour rien, voilà. Donc attendez, je vous bouge un petit peu. Je vais vous caler sur ma toile, sur la case à faire. Et on est parti. On est parti. Alors, zoom. On va zoom, zoom. Donc du coup, par la même occasion, j'ai enlevé tout le papier qui était le papier d'origine. Puisque il était déchiré un peu partout. Et j'ai mis, bah, à mon habitude, comme vous connaissez maintenant, hein, du papier sulfurisé qui est très très bien. Voilà. Donc voilà, on va continuer ensemble. Donc moi, je vais faire la première lettre qui est là. C'est un grec. Donc par contre, c'est chiant, il y a un contre-jour. Je vais galérer un peu. C'est un grec avec des petits traits. Gamelle, là. Et on est parti. Donc juste avant, je vous ai tourné la vidéo des cadeaux pour le... Alors, je vais décaler comme ça pour zoomer un peu plus. Voilà, pour le concours de chez Ibroderie, les cadeaux qu'ils ont envoyés. Du coup, comme le concours est déjà en ligne et même à la date où vous verrez cette vidéo finie, comme je disais dans la vidéo, les cadeaux ont été mis de côté pour un prochain concours. Donc si t'as pas vu la vidéo, bah, tu peux aller la voir, ça sera la vidéo juste avant. Franchement, les cadeaux étaient géniaux. Je suis contente. Dommage que ça arrive un peu tard. Mais bon, tant pis, ça sera pour un prochain concours. Voilà, sinon, on est... Alors, hop, il y a un petit déchet. J'ai un petit rond au milieu de tout ça. Donc, poubelle. Poubelle imprimée. Touc. Sinon, oui, on est mercredi 3 mars quand je tourne la vidéo. On est le soir. Donc là, je vais tourner un petit peu. Je sais pas si je vais faire la case tout entière. Je sais jamais. Je suis toujours avec mon stylo que je ne quitte plus. Mon stylo comme ça. Franchement, il est top. Il est top, top, top. Je suis bien contente de l'avoir acheté. Je l'ai payé moins de 2 euros, je crois. Ou 2 euros. Mais franchement, tip top. Alors, du coup, en ce moment, j'ai un peu de mal à avancer mes toiles. Franchement. Là, on est mercredi, j'ai encore une case à faire sur celui-là pour envoyer à Sandrine avant lundi. Non, lundi, elle fait la vidéo dimanche. Au plus tard dimanche, il faut que j'ai fini l'autre case. Donc, il va falloir que je me booste un petit peu. Alors, je suis désolée, je vais boire un coup. Je viens de tourner deux vidéos d'affilée, j'avais soif. J'ai oublié de boire avant. Donc du coup,
du coup, je suis un peu perdue, je ne sais plus ce que je disais. Bref. Oui, qu'en ce moment, c'était compliqué de faire les toiles, donc je me base déjà sur celle-là en priorité. Les autres, à part celle que je dois finir avant fin mars, elle sera largement finie. Celle avec Angélique, j'ai jusqu'à fin avril, donc j'ai un peu plus le temps. Mais celle-là, il faut qu'on l'ait finie pour le 4 avril. Et puis, bah, toutes les semaines, il y a le nombre de cases à faire. Donc c'est cool, hein, moi, c'est cool. Mais c'est que je crois que j'ai fait un peu trop de projets depuis début janvier. Depuis un certain quelques mois, j'ai fait régulièrement des vidéos, j'ai fait régulièrement du diamond painting et là, je sais pas, je commence un peu à saturer. Donc, dans les prochains mois à venir, je pense que je prendrai surtout mon défi avec Rachel, mon défi geek, et c'est parce que à la fois c'est mon défi avec Rachel, mais pour moi c'est un défi personnel aussi. De faire au moins une toile par mois, ça me fait un personnel aussi. Mais je sais pas, après, il y a des mois, je pense que j'aurais pas forcément des défis, peut-être avec Angélique et Sandrine. Suivant les thèmes qu'elles ont choisi, j'aurais peut-être pas. Et si j'ai pas, de toute façon, je n'achète pas. Ça, vous le savez, hein, depuis le temps. Donc du coup, peut-être que je pourrais m'octroyer des petits moments de pause, parce que là, franchement, sincèrement, ça devient un peu compliqué. C'est un peu compliqué, et puis en ce moment, c'est plutôt j'ai envie d'aller jouer à la console. Faute à Nintendo, hein, d'avoir sorti. Alors, on a déjà la Switch, on l'a en deux exemplaires, puisque on en a une où la carte SD est morte, donc du coup, on peut plus jouer. Hop là, ça faisait pas le. On peut plus jouer, et puis elle avait été bannie. Donc je ne peux plus jouer en ligne, je peux jouer qu'à des jeux. En cartouche, c'est ça que je veux dire. Et du coup, c'est un peu embêtant. Donc on en avait racheté une. Antonin s'était racheté la Pokémon que vous aviez vu. Pour les anciens, vous avez vu l'ouverture sur ma chaîne. Et du coup, on joue beaucoup à Animal Crossing, mais. Le problème d'Animal Crossing, c'est qu'il faut une console, un jeu. Ah, ça fait n'importe quoi. Heureusement que je regarde, ça fait n'importe quoi. Une console et un jeu par personne. Du coup, je sais pas si je me tâte de m'offrir la dernière de chez Nintendo. La dernière de chez Nintendo qui est la rouge et bleue et qui est la console Switch. Des 35 ans de Mario. Et comme vous savez, j'ai eu 35 ans en même temps que Mario. Je suis de 85 comme lui. Donc du coup, ils sont un petit peu. Et puis, ça me titille un peu. Et aussi, ce qui m'attire pour aller à la console, je vais y arriver, punaise. Et il est 22h, c'est pour ça que je suis fatiguée. Ce qui m'attire, c'est qu'Animal Crossing, ils ont fait une mise à jour. Et qu'est-ce qu'ils ont été mettre dans leur mise à jour? Ils ont été mettre... Alors, pour ceux qui ont vu les vidéos que j'avais fait sur Animal Crossing, vous savez que mon île était... Puisque, du coup, monsieur a récupéré cette console-là. Et moi, normalement, je vais avoir la nouvelle console avec le jeu. Et du coup, monsieur, lui, voulait refaire son île à lui... À proprement parler, donc il a tout enlevé. Donc on avait une île Super Mario, surtout Mario Kart en fait. Et du coup, ils ont fait une mise à jour pour les 35 ans. Ils ont associé Animal Crossing et Mario. Et du coup, il y a des trucs trop bien. Donc ça me donne encore plus envie d'aller jouer à Animal Crossing. Donc du coup, il faut que j'arrive à trouver du temps pour jouer à Animal Crossing. À tourner des vidéos, à faire du DP. Après, j'aimerais bien tourner des vidéos sur Animal Crossing. Mais du coup, pas sur cette chaîne-là, mais peut-être sur l'autre. Mais il me faudrait un boîtier d'acquisition. Et ça fait longtemps que j'en parle. Et je crois que je vais finir par essayer d'en trouver un.
Je sais pas où ça s'achète. Comment ça s'achète? Comment ça fonctionne? Je sais rien. Si vous passez par là et que vous y connaissez un peu et que vous savez exactement ce qu'il nous faut, en fait, c'est pour retranscrire. Pour retranscrire ma vidéo de ma console sur mon PC pour monter les vidéos. Je pense que c'est comme ça que ça se passe, je sais pas. Pour faire ben, des vidéos gaming quoi. Alors après je suis pas une pro hein. Mais bon, je peux faire des vidéos quand même, vous montrer comment je joue et tout et tout. Je sais pas. Mais il faudrait que s'il y en a qui s'y connaissent, qu'ils nous éclairent un peu. Parce que la Switch, nous, on la branche en permanence sur la télé. Donc là, du coup, même mon conjoint, il y en a qui le connaissent sous le nom de Dédé. Si vous étiez là dans les lives il y a quelques années en arrière. C'est vrai que ça m'est demandé aussi de faire des lives, mais compliqué de trouver le temps. Compliqué de trouver le temps et je n'ai plus de trépied pour mettre mon téléphone. Donc du coup, ça m'embête. Donc ouais, Dédé, lui, il est dans le salon avec sa télé, voilà sa télé, notre télé. Et moi, du coup, je me mettrai dans notre chambre avec une autre télé. Parce que nous, on va faire de la télé, on préfère jouer sur la télé. Donc du coup, c'est ça aussi qu'il faut savoir au niveau du boîtier d'acquisition, je sais pas. Et j'ai un peu la flemme de chercher, donc s'il y en a qui s'y connaissent... Ça m'intéresse de savoir. Et est-ce que vous, ça vous intéresserait de voir du gaming? Alors comme je dis, hein, je suis pas une pro, mais... Je pense qu'on peut y arriver. Puis au moins, ça peut être marrant, même si c'est pas des vidéos de pro. Hein. Parce que je compte mettre le online, du coup, familial. Pour jusqu'à mettre à 8, jusqu'à 8 consoles en même temps. Pour 34 euros pour l'année, on s'est renseigné. Mais bon, pas les premiers mois là, parce que si je me la prends, je me la prends à crédit sur ces discounts. Pour pas leur faire de pub. Donc du coup, pas les premiers mois, mais parce que j'ai d'autres trucs sur ces discounts que j'ai encore à rembourser. Peut-être dans un mois ou deux. Alors, j'arrive pas, j'ai des pierres qui sont collées, j'arrive pas à les décoller. Bref. Dans un mois ou deux, me prendre l'abonnement en ligne et pourquoi pas si du coup on fait du online et si on a ce boîtier d'acquisition et qu'on apprend à s'en servir, pourquoi pas peut-être faire des vidéos avec vous. Ou peut-être je pourrais aller visiter vos îles. Un peu comme Kibishi a fait, pour ceux qui connaissent. La pub, je vous fais de la pub hein. Comme Kibishi elle fait sans copier non plus, mais voilà, on pourrait faire les mêmes choses comme ça. Je présente vos îles et tout, ça peut être sympa. Je sais pas, il faut réfléchir à tout ça, mais là c'est vrai qu'en ce moment du coup le diamond painting c'est un peu compliqué. Et puis bah, y a des jours où j'ai pas le temps l'après-midi à la sieste de la petite. Parce que c'est ma maman qui la garde parce qu'on a des rendez-vous. Là, la semaine prochaine, on a encore un rendez-vous le jeudi. J'ai un rendez-vous le vendredi. Alors, vous voyez, quand vous avez des rendez-vous presque tous les jours, bah, à un moment donné, vous n'avez pas trop le temps. Donc du coup, j'essaie d'en faire le soir, mais voilà. Là, en ce moment, le soir, je me force. Là, franchement, pour vous dire sincèrement, je me force. Je me force à en faire. Parce que, bah, il n'y aurait pas le défi à faire, franchement. Il n'y aurait pas le défi à faire. Je crois que la toile aurait été rangée. Ainsi que les autres toiles. Et j'aurais pas mes défis, mais ça serait rangé et j'en ferai pas pour l'instant. Je pense que, sincèrement, j'aurais fait une pause. Mais là, il y a mes défis, ça me motive. Mais là, je passe un petit passage un peu compliqué. Un petit peu compliqué pour le diamond painting. Après, je pense que je vais me remotiver
D'ici quelques jours, quelques semaines, normalement, il y a des partenariats qui devraient arriver. Il y en a deux, je crois que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il y en a deux qui m'ont contacté. Il y a A Diamond Painting qui m'avait dit qu'il m'enverrait au mois de mars. En fait, j'ai Niomi qui m'a contacté, qui m'a demandé de faire une sélection de produits. Et là, j'étais contente parce que depuis tant que je l'ai cherché, j'étais bien contente que Kevin me contacte, puisqu'il s'appelle Kevin. Donc, j'étais super contente que Kevin me contacte et me demande de choisir des produits. Depuis tant que je voulais tester leurs produits et que je voyais tout le monde avoir un partenariat, mais pas moi. Donc, voilà, j'étais bien contente. J'ai Kevin de Nuomi et l'autre, c'est Bi. Alors, l'autre, en plus, je crois que c'est Rachel qui me l'avait dit. Si c'est toi, Rachel, je te remercie. Il me semble que c'est avec toi qu'on en a parlé un soir de ce site-là et que tu m'as dit de demander un partenariat. Donc, si c'est toi, je te remercie beaucoup. Alors, c'est Bi. Alors, attendez, j'ai un problème de téléphone, il redémarre. C'est un truc, le site, c'est une abeille. C'est une abeille. Donc voilà. Mais oui, il me semble que c'est Rachel. Parce que je suis pas comme ça, moi. Si on me cite quelque chose à l'oreille, s'il y a quelque chose, je le dis. Donc là, vraiment, il me semble que c'est Rachel qui m'en avait parlé. Et du coup, je les avais contactés, puisqu'un soir, on a parlé longtemps avec Rachel. Et ben justement, parler des partenariats. C'est BB Craft Team. BB Craft. BEE Craft. Et c'est un site de beaucoup de loisirs créatifs. Et du coup, pas forcément du diamond painting. Mais j'ai quand même trouvé quelques trucs qui vont pouvoir aller pour le diamond painting. Donc, ça va être trop cool. Et je crois que c'est grâce à Rachel que j'ai trouvé le partenariat. Voilà, mon cop, on va continuer. Mais c'est sympa aussi après d'avoir des partenariats, des sponsors. Moi, j'appelle ça plutôt du sponsor. D'avoir du monde derrière, c'est pareil, c'est sympa. Après, comme je dis, c'est aussi, il faut. Après, il va falloir que je fasse les toiles qu'ils m'envoient à Diamond Painting. J'espère qu'ils n'ont pas attendu que j'aurais fait une toile pour me renvoyer, parce que sinon, quand moi je les avais recontactés, ils m'avaient parlé du mois de mars. Ils m'avaient pas dit qu'il fallait que je fasse une toile ni rien, donc je sais pas. On verra bien en mars. Pour l'instant, j'ai pas vu d'autres filles recevoir de chez Diamond Painting. Parce que bah quand ils nous ont contactés, on a été plein à être contactés. Comme presque à chaque fois, toutes les marques quand ils contactent les clients. Donc du coup, j'aurais potentiellement Bibi là, Bibi. Et j'aurais potentiellement Nuomi. Bah Lisa. Parce que Lisa, bah, elle me soutient depuis très longtemps. Depuis les débuts, je crois. Depuis les débuts, et j'ai Cattlewed. Donc après, s'il y en a d'autres qui se présentent, c'est bien. S'il n'y en a pas d'autres qui se présentent, ben tant pis. Gutfeld, j'avais fait une vidéo pour eux. Mais après, j'ai plus eu jamais de nouvelles. Quand j'ai envoyé une fois un message, on m'a limite envoyé pété. Donc j'ai dit, bon, je laisse tomber. Donc après, voilà, je ne veux pas en avoir non plus 50. Du moment que j'en ai quelques-uns qui c'est régulier, ça me va. Ça me va. Puisque comme je disais dans une autre vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, hein, je disais que pour moi, les partenariats, c'est un petit peu ma rémunération par rapport à tout ce que je fais sur YouTube. Parce que je n'ai pas les 4000 heures de vues. J'ai 1100 abonnés. Mais je suis bloquée à 1000. 1200 ou 1300 heures de vue et il m'en faut 4000. Donc du coup, si j'ai pas les 4000 heures de vue, je ne peux pas être rémunérée.
Donc, du coup, moi, les partenariats, c'est surtout ça, quoi. C'est un peu ma rémunération. Et puis, bah, c'est le partage pour vous montrer bah, si c'est des bons sites, si c'est des mauvais sites. Et ben, aussi pour les concours. C'est aussi des sponsors pour les concours parce qu'en principe, on leur demande de participer au concours en donnant des lots. Et en principe, ils disent oui. Donc voilà, c'est cool aussi. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, qui n'aiment pas du tout les partenariats. Mais voilà, moi, franchement, ça me plaît plutôt bien. Puis après, ça permet aussi. Alors, monsieur est en train de tester l'imprimante. Parce qu'on a des galères avec. Donc, il est en train de refaire des réglages. Et là, il va peut-être imprimer un truc. Oui, il est en train de faire des réglages, je sais pas. Donc, oui, ça permet aussi de tester des produits. De tester de nouvelles choses. Là, sur Nuomi. S'il m'envoie ce que j'ai demandé, j'ai pris une lampe 3D. Une lampe 3D licorne pour mettre dans la chambre de la pépette. Parce que vous savez, c'est tout un thème licorne. Et franchement, j'aimerais trop, trop, trop. J'ai pas une nouvelle d'eux. Donc, je sais pas du coup si mon colis est en route, si quoi. Donc, ben voilà. Et moi, ça va me permettre de tester ça. Ah oui, et puis Happy 13. Happy 13 aussi en partenariat pour l'instant. Le gars qui s'est bien fichu de moi quand il m'a envoyé un colis. Oui, c'est ce que je vends sur mon site, mais oui, mais c'est du Action. Donc là, j'attends de chez lui une toile toute en perles de rocaille. Un diamond painting comme ça, mais sauf que c'est une toile de canevas et c'est tout à remplir avec des perles de rocaille. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, c'est plus la même. Et d'ailleurs, la toile Action, je l'ai rangée dans le coin des cadeaux pour mes abonnés, pour les futurs concours. Donc la toile des chevaux que je vous ai présentée pour le partenariat, dans la vidéo du partenariat, elle a été mise de côté pour vous. Donc voilà. Ça commence à se remplir du côté des petits cadeaux. Parce qu'on a eu le colis de chez Broderie. Il y a cette toile-là, puisque je ne voulais pas la faire. Donc elle sera dedans. J'ai quelques autres modèles de toile que je ferai pas, donc qui sont dedans. Et puis j'ai dit maintenant, quand je vais avoir des partenariats, je vais leur demander un petit truc supplémentaire pour mes concours, pour mes abonnés. Donc voilà. Bah là, Nuomi, c'était pour choisir pour Pâques. Donc j'ai choisi quelques trucs pour Pâques. Je crois que j'avais le droit de choisir jusqu'à. Je crois que c'était 5 articles. 5 articles. Et j'ai choisi 5 articles de Pâques. Et j'avais deux autres petites choses qui m'intéressaient sur le site. Sur son site. Et que. Qui était hors pack et qui du coup qui passait hors chose qu'il m'avait demandé. J'ai envoyé un message, je lui ai dit voilà les liens, parce qu'il fallait envoyer les liens. Voilà les liens des produits pour pack. Et en plus, comme c'était une sélection, il fallait choisir vraiment beaucoup de produits. Plusieurs produits. Et du coup, j'ai mis que hors pack, je choisissais ça si. C'était possible de me les glisser, donc je sais pas. Donc je sais pas si j'aurai pas, on sait pas. Mais ouais, c'est clair que, comme j'ai dit maintenant, il y aura à chaque fois un truc pour vous. Un truc qui ira rejoindre le carton pour les futurs concours. Après, il y a un concours en principe tous les. Maintenant, là, tous les 1100 ou 200 que je vais prendre, 1100, 1200. Là, j'ai fait à 1100, peut-être à 1200, un petit truc à gagner. 1300, 1400, un petit truc. Et 1500, par contre, je vous fais un gros concours. Là, il y aura plusieurs choses à gagner. Mais il faut déjà les atteindre parce que c'est pas demain la veille et c'est pas facile. Je crois que c'est vraiment pas facile
de bien monter sur YouTube, c'est... Je sais pas, il y a des chaînes qui sont arrivées après les miennes qui cartonnent. Moi, la mienne, bah, elle a du mal. Après, je sais pas. Après, peut-être il faut que je mette un décolleté. Hein, parce que... Faut peut-être mettre un décolleté ou je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je change. Après, je me suis dit, je sais pas si... pareil, s'il y a quelqu'un qui passe par là. Est-ce que quand vous faites des lives YouTube, pour ceux qui ont d'autres chaînes et qui feraient des lives YouTube, est-ce que ça compte justement dans les heures de vue? Parce que alors là, si ça compte dans les heures de vue, je crois que je vais me motiver pour les lives. C'est que bah, je suis assez motivée pour faire des lives, mais je me dis que pendant que je fais le live, ça va être très compliqué de faire du diamond painting en même temps, parce que vous allez poser plein de questions, vous allez parler, et il va falloir que je lise vos questions, que je vous réponde. Je sais pas si je suis... pas prête, oui, bah si prête à... Si je vais arriver à tout faire en même temps. Alors vraiment me poser sur un temps où je fais pas du diamond painting. Mais je sais pas. Après, je sais qu'il y en a qui arrivent. Hein. Je regarde Lorraine. D'ailleurs, Lorraine, j'ai vu qu'elle s'était abonnée à ma chaîne. Diamant et Strass. Gros bisous, Lorraine. Gros bisous, Lorraine. On a Angélique aussi qui nous a rejoint. Parce que j'ai reçu un message d'Angélique. Alors, gros bisous à toi aussi, Angélique. Puis gros bisous à tous, hein, tant qu'on y est. Mais c'est parce que j'ai vu ces personnes-là. Lorraine, donc, pour en revenir à Lorraine, la Québécoise. La Québécoise. Oui, je crois que c'est Québec, hein, qu'elle est. Bon, Québec, Canada, hein, c'est par là-bas. Hein. Elle fait des lives et elle arrive à faire du diamond painting en même temps. Je sais pas comment qu'elle fait. Moi, j'ai pas... Je pense que j'y arriverai pas. Ou alors, je vais louper 50% de vos commentaires. Donc après, je pense pas que ça c'est super sympa. Et d'ailleurs, moi la plupart du temps, quand je regarde une vidéo de Lorraine, je l'écoute juste. Je regarde pas souvent ce qu'elle est en train de faire. Enfin, quand elle dit telle chose, des fois elle dit, je sais pas, elle dit un truc et du coup je lève la tête pour regarder le truc qu'elle a dit. Mais sinon, la plupart du temps, je l'écoute. Je l'écoute juste. Alors, vous, est-ce que là, vous êtes en train de me regarder diamanter? Ou vous êtes juste en train de m'écouter pendant que vous faites du DP, vous aussi? Bonne question. Et du coup, est-ce que ça peut être intéressant de savoir? Puis j'en ai marre du carré, là, franchement. J'en ai marre des carrés. Heureusement, ma toile de Pâques, si elle arrive par Naomi, ma toile de Pâques, c'est du rond. Oh, alléluia. Alléluia. Ah oui, Cataloed, c'est du carré. Ma toile geek, c'est du carré. C'est sniff sniff. J'ai que du carré, je crois, mais j'ai plus beaucoup de rond, je sais pas. C'est parce que fut un temps où je faisais que du carré, je voulais faire que du carré. Et après j'ai mis le nez dans le rond et je trouve que le rond c'est beaucoup mieux. Et que le carré, bah, ça me saoule. Puis je crois que j'ai trop accumulé de DP, c'est ce que je disais. Là depuis le début de l'année quand même, on est qu'en mars, début mars, j'ai déjà fait 4 vraies toiles. Donc pour vous les citer, j'ai fait dans l'ordre que j'ai dû les faire. Alors si je me trompe pas, la première c'était la Mario sur fond jaune de stylet Mario Maker. La deuxième que j'ai fini, c'est celle de mon fils Valentin. La troisième que j'ai fini, c'était ma fille Mylène. Et la quatrième que j'ai fini, c'est la Luigi qui ressemblait au Mario que j'avais fini en janvier de Mario Maker. Donc j'en ai fini 4 et j'ai fait une toile spéciale, le cadre que Audrey
a offert, m'a offert et que j'ai offert à ma fille. Voilà. Que j'ai mis dans la chambre à ma fille. D'ailleurs, Audrey, je te remercie encore. C'était vraiment très sympa de ta part. Parce qu'Audrey avait gagné mon concours et du coup, elle avait voulu m'offrir un petit cadeau. Celui-là, il est abîmé. Alors, d'ailleurs, pour en revenir à cette toile-là, alors je ne sais pas si sa boutique existe toujours à cette fille, Lisa Chen, mais franchement, alors la toile, elle date de 2016, hein, celle-là, justement. C'est un des tout premiers partenariats que j'ai eu. J'ai eu qu'une toile avec elle. Après, elle n'a jamais voulu renouveler. Donc, je n'ai pas cherché. Ces diamants sont abîmés. J'en ai eu quelques-uns où il y avait des petits trous. Je me suis aperçue après les avoir posés qu'il y avait des petits trous. Donc, comme je vais mettre du vernis par-dessus, est-ce que ça va boucher? On verra moins. De toute façon, on ne va pas être non plus devant. Donc ça devrait aller. Mais du coup oui, je me suis aperçue qu'il y avait des petits trous. J'ai des déchets. J'ai des pierres qui sont creuses. J'ai des pierres qui sont mal taillées là, comme celle que je viens de jeter là, qui était comme, carrément au lieu d'être un carré, c'est presque un hexagone. Franchement, je ne recommande pas du tout. Donc depuis 2016, elle s'est peut-être améliorée, presque 4 ans après, mais je sais même pas si ça existe encore. Je sais qu'il y a encore Adi Lady, pareil. Au bout d'un certain temps, lui, il a décidé d'arrêter le partenariat qu'on avait ensemble. Bah, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Vous savez, quand ils veulent mettre stop, ils mettent stop. Et puis voilà. Hein. De toute façon, je vais pas pleurer pour ça. Hein. Pourtant, Adi Lady, il avait... la bonne qualité. Après, il y a eu Yuashina Store, pareil. Ça dure un certain temps. Lui, carrément, il m'a accusé de profiter de lui. Yua, vous profitez de moi. Non, non, non. Sa boutique, elle a coulé, de toute façon. Lui, sa boutique, elle a coulé. Il a voulu en ouvrir une, il a coulé direct. Comme ça, ça va plus vite. Mais ouais. Il a pas voulu prendre les conseils de la française, soi-disant. La française, pareil, elle se foutait de sa gueule. Hein? Et soi-disant, je profitais. Bah, voilà. Je profitais pas, en fait, puisque à ce moment-là, quand j'avais, du coup, mon groupe, j'avais mon groupe Facebook, et on était toute une bande, dont Rachel, on avait une autre Sandrine qui était là, c'était pas Sandrine Lacheti, mais une autre. Il y avait Alex, Rachel, Sandrine, pour les principaux. Et on avait mon groupe et ça se passait super bien. Et ben, on se faisait des swaps. D'ailleurs, c'est moi qui ai mis au goût du jour le swap pour le Diamond Painting. C'est chez moi dans mon groupe que ça avait commencé. En tout cas, que nous, on a commencé à faire des vidéos et tout ça sur les swaps hein, de Diamond Painting. Après, je sais pas. Bref. Et du coup, bah, la plupart du temps, tout le monde commandait là-bas pour les swaps. Et au départ, il avait de la super qualité à prix. À prix raisonnable, qui était très bien. Qui était un très bon prix. Et il mettait des petits cadeaux à ceux qui commandaient tout. Et puis, bah, du jour au lendemain... Quand nous on le contactait, ça avait changé. Je pense sincèrement même pas que c'était même plus lui qui était là. La personne qui s'occupait de ça. Je sais pas. Ça avait complètement changé. Il n'y avait plus rien de pareil. Et après, ben, un jour j'ai voulu envoyer un message et ça m'a dit que la boutique n'était plus. Je ne sais plus comment qu'ils mettent sur. Sur AliExpress et de contacter la boutique Color je sais plus quoi, c'était l'autre, et je l'ai contacté une fois par Color machin parce qu'il y avait une toile qui devait m'envoyer et la toile a été perdue, mais ça je vous l'ai déjà expliqué. Et puis bah voilà, et maintenant que ça c'est sur sa chaîne, sur sa Rupiwashina Store, où
sur color machin truc, et ben il n'y a plus personne qui répond, il n'y a plus personne. Putain, celle-là aussi elle est abîmée, oh là là, ça me saoule. Voilà. Ma vie. Et des fois j'ai l'impression quand même de me répéter. Hein. Je sais pas, d'une vidéo à l'autre, il faudrait peut-être que j'arrête de me répéter. Donc là, ça fait combien de temps? Ah ouais, 35 minutes et on n'a pas fini la case. Bon, bah vous aurez une vidéo très longue. Allez, on va dire. On va finir la case avec vous. Bon, normalement, demain, je reçois ma toile de la coccinelle. Parce que du coup, les partenariats, tant que j'ai pas, je vais pas dire je vais recevoir tant, je vais recevoir quand, je sais rien. Je sais même pas si ça a été validé, rien, j'ai pas une mail, donc je sais pas. Mais du coup, je m'étais commandé ma toile de la coccinelle à cause de Lorraine, d'une vidéo qu'elle a montrée, voilà. Hein. J'ai été craquée et j'en ai commandé une. Donc, il y a marqué qu'il est en expédition locale depuis hier. Donc, je pensais peut-être l'avoir aujourd'hui, mais non. Donc, ça sera demain. Demain. Donc, je vais vous présenter un nouveau vendeur. Donc, ça sera une des prochaines que je ferai. Je sais pas quand. Il me semble que c'était des pierres rondes. Oui, ça devait être des pierres rondes que j'ai pris. Et en 30 par 40. Donc ça, là, elle n'est pas trop mal taillée. Elle n'est pas très bien, 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 mais bon. Voilà, donc. Faire ça prochainement. Et après, j'en ai commandé une autre. Une Zelda. J'en ai fini 4, j'en ai déjà commandé 2. Il y a toujours mon défi de la toile licorne qu'il faudrait que je me booste le crâne à faire. Mais je me demande si. Peut-être avril. Peut-être avril pour faire la toile licorne, la finir. Me dire, ben voilà. Là, c'est le mois où tu fais ton défi, tu finis ta toile licorne. Et voilà, je sais pas. Il faut que je voie ce que j'aurai comme. Comme défi à faire au mois d'avril sur logiquement j'aurai ma toile de Pâques qui m'aura été offerte par Naomi logiquement donc là j'aurai la toile de Pâques à faire avec Sandrine Angélique ça sera toujours le concours de la toile mystère et du coup il me faut une geek aussi pour mon défi à l'année avec Rachel. Donc, je sais pas. Donc, ouais, ça risque d'être encore un peu compliqué. Je sais pas, je sais pas. Pourtant, je la veux tellement cette toile. Oh, j'ai vu des toiles. J'en ai vu plein, là. Des trop, trop belles. Des toiles avec des licornes. Mais des belles petites licornes. Trop belle. Il y a eu aussi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un dragon avec des couleurs arc-en-ciel et tout. Il est trop beau. J'ai vu aussi une toile avec un burger, mais pareil, trop trop belle. Ah oui, si, j'ai commandé sur Vova parce que ils sont venus m'envoyer un message. Ils me sont envoyé une pub. Ils m'ont envoyé une pub et j'ai été me connecter. Et normalement, j'aurais 20 euros de cashback. J'ai dépensé 20 euros. Normalement, j'aurais 20 euros de cashback chez eux. Je n'y crois peu. Et du coup, j'ai trouvé une toile Mario. Ah, ben, je peux vous la montrer. Ça, la vidéo a duré un peu plus longtemps. Donc, je sais pas, Boba, ça fait très très longtemps que j'ai pas commandé. Donc, je sais pas ce que ça vaut. On va tester. J'ai testé. On verra bien. Donc, pareil, hein, si vous aimez pas Vova, pas besoin de me laisser des commentaires tout pourris. Vous avez le droit de me dire que vous aimez pas, pourquoi vous aimez pas.
Mais pas besoin de me pourrir en commentaire, hein, de toute façon. De toute façon, si les commentaires sont trop méchants, c'est direct ça vole. C'est supprimé direct. Alors, où est ma commande? Comment que je fais pour avoir ma commande? Mes commandes. Ouais, je vais voir tes commandes. Ça, ça explique. Voilà, c'est celle-là. Je me suis pris deux petites toiles. Il y avait celle-là. Donc il y a celle-là. Et je l'ai trouvée trop trop belle. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas un gros fond blanc comme ça parce que ça va finir comme ça là. Si vous voyez, s'il y a un gros fond blanc comme ça, c'est coupé direct. Hein. Au ras de tout le tour ou vraiment 2-3 lignes et c'est tout. Il y avait celle-là. Donc voilà, je vous présente le site. Hop, ça on s'en fout. Il y avait celle-là. 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 Celle-là, elle est jolie. Yoda. Il y a celle-là, Mario Galaxy. Celle-là ferait plaisir à Jocelyn. Jocelyn, il adore Mario Galaxy. Dédé, là, tu vas peut-être t'excuser, là. Je suis en vidéo. C'est mon conjoint qui a lâché une caisse. Hein. Celui-là, il est trop beau aussi. Il s'excuse même pas, il en a rien à Pardon. faire. Celui-là. Bizarre, bizarre, bizarre. Donc voilà ce qu'ils ont. Comment ça fait les Fermé. trucs comme ça? Ah bah fermé. Et la toile. La toile, vous voyez. Moi, c'est celle-là. Et elle a 5,53 € et c'est une 30 par 40. Donc, je sais pas par rapport à AliExpress et aux autres sites, ça fait cher 5,34 €. Je sais pas. Je vous laisse me dire. J'ai pris des étoiles et j'ai pris celle-là. Et celle-là, j'espère qu'elle va être. Parce qu'il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué et ça fait longtemps que je lorgne dessus depuis le début. C'est celle-là. Mais moi, je l'avais vue tout en strass. Alors là, je ne sais pas. Et je sais que pendant un moment, il y avait celle-là tout en strass, mais il n'y avait quasiment rien à diamanter. Donc là, pareil, il y a marqué 32 par 40. Donc je ne sais pas si c'est une partielle, si c'est une complète. Mais ça fait longtemps que je lorgne dessus. Donc je me la suis prise. Et elle est à 3,14 €. 3,14 €. Et je sais pas s'il y a un truc de description 100% neuf, bonhomme allié, matériel, toile, diamant rond. Il y a marqué fleur de forage complet. Donc là, voici, c'est une toile complète. Comme est montré dans l'image. Full ring 5D, diamant painting. Diamant de bonne qualité et confortable. Vous avez même les instructions pour comment faire. Les diamants en résine ne peuvent pas être mangés. D'accord. Comme si on allait manger. Lol. Donc c'est une 32 par 40 avec tout à diamanter. Donc par contre, je ne sais pas si c'est des strass. On verra bien, c'est pas grave. Là, ça a l'air d'être des pierres comme ça, donc on verra bien. Et puis de toute façon, vu que ça fait longtemps que je lorgnais dessus, bah voilà, ouais, je l'aurai. Je pourrais la faire. Ça va même changer de mes geeks. Et puis ah bah, je peux vous montrer aussi celle. Bon bah pendant qu'on y est, alors j'ai déjà ces deux-là qui vont arriver. Et celle de AliExpress. Je crois que je vous l'ai montré déjà la coccinelle. Alors je sais plus. Je crois.
Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous la remontrer. La coccinelle, et moi je l'ai pris en 30 par 40 en rond. C'était 10 euros. Par contre, elle était un peu chère, ouais. Oula! Oups. Il y a même des pierres qui sont dues atterrir par terre. Voilà, Miss Catastrophe. Donc c'est celle-là. Celle-là que j'ai. Et celle que je suis en attente d'envoi. Je crois pas que je vous l'ai montré jusqu'à présent. C'est... Peut-être que si, je sais plus. Si je vous l'ai déjà montré, je m'en excuse. C'est celle-là. C'est celle-là. Voilà. Et celle que je parlais tout à l'heure, le dragon, elle est là. C'est ce dragon-là. Celle-là, je voudrais trop la faire. Franchement, elle est trop belle. Donc voilà. Bon, il y a 2-3 pierres qui ont dû tomber par terre. Je les ramasserai tout à l'heure. Je vais ramasser mes bêtises là. Est-ce que vous êtes des Miss Catastrophe comme moi? J'avais dit d'ailleurs qu'il fallait que je m'achète l'aspirateur comme Sandrine avait montré dans une vidéo. L'acheti. Sandrine l'acheti du Diamond Painting avait montré. Et je l'avais vu passer aussi sur le site Facebook. Sur un groupe Facebook. Et pareil, une personne, elle disait que c'était génial. Donc du coup, j'avais dit que je me l'achèterais, mais voilà. Alors, je suis désolée, il y a des chiens qui descendent dans la cage d'escalier. Donc, vous allez les entendre, certainement. Ils étaient en train d'aboyer. Donc, je suis vraiment désolée. Bon, je ramasse mes catastrophes en même temps. En même temps, j'y peux pas grand-chose. Hein. Je suis désolée, mais... Je n'y peux pas grand chose. C'est ça d'habiter en communauté. En communauté. Quand vous êtes en appartement, voilà le problème. C'est ça tout le temps. Et encore là, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Parce qu'il y a des fois, franchement, c'est pire. J'ai des voisines au-dessus, elles ont déjà un certain âge. Hein. Pour ne pas être méchant, et c'est pas en termes méchant, mais c'est des mamies, quoi. Et c'est deux mamies, une vraiment plus âgée, une un peu plus jeune. C'est la mère et la fille. Mais pff, elles ont donc le frère de la plus jeune, donc de la fille qui vit ici. Et c'est compliqué. Voilà, je tairai les noms parce qu'il y a des personnes qui savent où je suis. Il y a des personnes de ma ville qui me suivent. Et j'aimerais pas que ça s'est répété. Et voilà. Donc je n'en dirai pas plus, mais il y a des fois c'est vraiment infernal au-dessus. Donc voilà. Parce que de ma ville, je suis dans... De ma ville, il y a... sur... Mince, comment qu'elle s'appelle ? Marie-Laure. Donc pareil, je tairai son nom de famille. Mais Marie-Laure se reconnaîtra et c'est... Une amie depuis très longtemps. Et elle est sur ma chaîne YouTube. Voilà, elle me suit aussi sur ma chaîne YouTube. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, bah, on se voit pas beaucoup. Du coup, bah voilà, elle me suit sur ma chaîne YouTube. Participe. Elle me participe même à mon concours. Donc si c'est elle qui a gagné, parce que vu que le tirage aura déjà été fait quand cette vidéo sera postée, ben c'est génial parce que je vais bien éviter les frais de port. Et d'ailleurs, je me tâte pour faire le tirage au sort en direct. En direct, en live.
et remettre le live après en rediff. Moi, je suis en train de faire les haches. Du coup, on aura une très très longue vidéo. Voilà, vous voyez là. Là. J'ai un truc, il est complètement creux. Voilà. Ma poubelle, c'est dommage, je l'ai déjà vidée plusieurs fois. Parce que dès qu'il y en a un petit peu dedans, en principe, quand je finis de faire, je vais vider ma petite poubelle. Donc, ce qui est dommage, je peux pas voir toute la quantité. Parce que vu que ben les garçons, non, ils y touchent pas, mais la petite, elle a 18 mois, tiens, elle va avoir 18 mois. Elle est, ouais. Alors, quand vous verrez la vidéo, elle aura 18 mois, elle les aura le 9. Et elle touche à tout, elle chope tout, elle marche depuis janvier, donc allez-y. Donc c'est l'ouverture à toutes les bêtises, la marche. Donc du coup, si je laisse mon petit pot de poubelle sur ma table où je fais mon diamond painting, ben elle peut grimper sur le canapé et aller choper, ou se mettre sur la pointe des pieds et le choper, et puis ben, le reverser. La dernière fois, elle essayait de le mettre dans la bouche, ce qu'il y avait dedans. Donc on a un petit bébé. Bon, je sais pas les vôtres, comment ils étaient ou comment ils sont, parce que vous avez des petits. Et peut-être qu'il y en a qui ont des petits. Marie-Laure, ouais, elle est des petites, un peu plus jeune que la mienne. Elle en a de l'âge de des miens et une plus petite que la mienne. Et je sais pas, franchement, la mienne est tout le temps en train de mettre à la bouche. Je n'ai pas connu ça avec ses frères. Ses frères n'ont quasiment jamais rien mis dans la bouche. Alors il faut dire que eux avaient beaucoup aussi la tétine dans la bouche. Et dès qu'ils se levaient du lit, il fallait qu'ils aient la tétine, tout le temps la tétine. Ils la trimballaient partout, ils trimballaient nana partout. Donc peut-être que du fait qu'ils avaient tout le temps nana et tétine, bah peut-être que ils n'ont rien mis à la bouche. Mais alors elle non. Elle se lève du lit, elle laisse le nana dans le lit et il n'y a pas de problème. Aïe aïe aïe. Vous voyez les réglages, c'est compliqué. Je coupe ce que je suis en train de dire, mais vous voyez que les réglages, c'est compliqué. Là, ça touche, c'est pas génial. Donc oui, dès qu'elle se lève, elle ne prend pas tétine et nana, elle les laisse dans le lit. Mais par contre, dès qu'elle va être fatiguée, elle va aller les chercher. Elle va les ramener vers nous. Et puis elle va nous dire, elle va nous faire comprendre parce qu'elle parle pas, parle dans son jargon. À part papa tout le temps, hein. Papa, elle l'appelle tout le temps. Maman, c'est très rare. Et puis, bah, beaucoup de son jargon de bébé. Et du coup, elle va nous faire comprendre qu'elle veut aller au lit. Et elle vient vers nous, elle prend nana. Et elle nous regarde et elle fait au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Et elle nous envoie des bisous. Bah, alors là, vous pouvez être sûr que vous pouvez aller la coucher. Elle est fatiguée et qu'elle veut aller au lit. Et d'ailleurs, c'est un bébé, par contre, qui est génial parce que... Ça, par contre, c'est l'inverse de ses frères, c'est que on la pose dans le lit, on lui fait ses bisous, ses câlins avant, et on la pose dans le lit et elle dort. Peut-être pas tout de suite, mais voilà, elle y va et elle s'allonge, il n'y a pas de comédie, elle s'endort assez rapidement. Et il y a même des fois dans la journée où simplement elle prend son doudou et elle nous demande d'aller dans son lit et elle peut y rester une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et pas pour autant elle va dormir, elle va juste être dans le lit en train de se reposer. Et puis après, au bout du temps, quand elle en a marre, ben, elle chouine pour qu'on aille la rechercher. Et on va la rechercher et en fait, elle fait pas dodo. Elle a besoin par moment de se retrouver toute seule dans son petit coin. Et d'aller faire un temps calme dans son lit. Alors nous, on vit à son rythme. Hein. Quand elle nous demande d'aller au dodo, d'aller se poser au dodo, ben on la laisse faire. On la laisse faire et puis voilà. Bon, des fois c'est un peu embêtant parce que ben c'est arrivé ces derniers jours où on l'a laissé faire mais il était presque 11h. Et on s'est dit elle va juste faire un temps calme et non, elle s'est endormie. Et du coup une ou deux fois elle a décalé son repas à presque 1h de l'après-midi. Donc du coup c'était
un petit peu compliqué parce que du coup quand elle fait la sieste, ben si elle fait une petite sieste à cette heure-là, ben, du coup elle la fait plus en début d'après-midi, donc elle redécale en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, elle réclame pour aller au lit parce qu'elle est fatiguée. Donc du coup ben, c'est un petit peu compliqué. Et là on a changé son lit de place parce que la petite demoiselle, nous avons refait le papier peint parfaitement avec son papa. Et il y avait un tout petit bout qu'il fallait qu'on recolle, qui était un peu biscornu. Et elle nous l'a arraché. Donc du coup, on avait mis son lit en plein milieu de la pièce pendant une journée ou deux. Et du coup, avec son papa, on a remis le lit à sa place. Mais comme c'était le coin où le papier peint était arraché, qu'on a recollé. On a réussi à recoller, ça se voit presque pas. Du coup, j'ai dit à monsieur, mais pourquoi on ne mettrait pas l'armoire devant ce bout de pan de mur? Ce qui ferait gagner de la place pour qu'elle puisse jouer dans sa chambre. Alors pour l'instant, il jouait dans sa chambre, c'est un bien grand mot. Elle n'y va pas souvent dans sa chambre, à part pour faire dodo. Et pourquoi on ne ferait pas comme ça? Et du coup, le lit se retrouve tout droit sur l'autre pan de mur et en face de la porte. Et du coup, ça fait 2 nuits, deux ou 3 nuits là qu'on teste. Et ben, elle dort beaucoup mieux parce qu'avant, la nuit, à 23h, 23h tapante, vous pouviez être sûr qu'elle hurlait. Elle se mettait dans le lit et elle hurlait. Alors, je ne sais pas si elle pleurait dans son sommeil ou si. Voilà, je ne sais pas. Tous les soirs, à la même heure, on avait le droit aux pleurs. Et là, ça fait deux ou 3 soirs, je ne sais plus. Qu'elle est dans l'autre sens et on n'a plus un pleur. On n'a plus un pleur. Elle refait de nouveau ses nuits complètes, sans pleurs, sans cris. Donc, ça nous soulage un peu. Parce que c'est pas facile, franchement. C'est pas facile quand il faut faire les nuits, quand on est réveillé la nuit, franchement. Il a fallu que je le fasse pour mes 4 enfants, mais voilà, je voudrais plus le faire. Je voudrais plus le faire, je voudrais plus. Ah non, non, je ne pourrais plus. Je ne pourrais plus parce que là, ces derniers temps, quand je vois, quand elle nous réveillait la nuit, on s'occupait d'elle et tout. Mais c'est vrai que c'est fatigant, usant, énervant. C'est vrai que de toute façon, moi, les nuits, ça a toujours été très compliqué. Mais j'ai quand même 4 enfants. Voilà. Mais monsieur, il faut dire qu'il m'aidait beaucoup. Voilà. On peut pas enlever ça. Hein. Moi, j'ai été super aidée. Donc, voilà. C'est peut-être pas tous les papas qui le feraient, mais moi, le mien, leur papa s'en occupe très, très bien. Bah voilà, on continue. Oh non, on va arriver à 1 heure de vidéo. Hein. Et 1 heure de vidéo et j'ai pas fini. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Hein. En fait, en intro, j'aurais dû dire prenez un café, prenez un chocolat, prenez les gâteaux. Et écoutez-moi, parce que là, ça va être long. Hein. En plus, c'est que ça avance pas. C'est ça qui m'énerve. C'est qu'avec les carrés. J'ai beau en faire, mais j'ai l'impression que ça avance pas. Voilà, ça avance pas. Alors là, c'est pareil. Le cas, si vous regardez là, le cas, il est là. Là, vous voyez du vert. Et ben non, la couleur, en fait, c'est du marron. Si vous vous fiez à la couleur de la toile, c'est pas les bonnes couleurs. Alors, bon, on va reprendre là, en partant de là, parce que je vais faire en suivant, parce que sinon. Je vais m'y perdre. Enfin, c'est pas que je vais m'y perdre, mais je vais chercher à droite, à gauche la lettre que je veux faire et puis bah, perdre du temps. Allez, hop, les. Donc, vous me direz si vous êtes ravis que je vous ai fait une vidéo aussi longue, qui va durer encore un peu. Si vous êtes arrivé quasiment jusqu'à la fin. Vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez me mettre en commentaire?
Je me laisse un petit commentaire. Je réfléchis. Qu'est-ce que vous pourriez me dire en commentaire? Bah, vous mettez. Ouais, il y a quelqu'un qui fait déjà, je crois, les emojis. Hein. Ça m'embêterait de vous dire de mettre une emoji parce que. Parce que, bah voilà, les gens ils auront l'impression que je copie sur eux. Ou alors une emoji spéciale. Vous mettez. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, vous mettez une emoji licorne dans les commentaires. Voilà. Comme ça, je verrai s'il y en a qui sont venus jusque-là. Me suivent jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque-là, donc emoji licorne en commentaire, s'il vous plaît. Et puis, bah, s'il vous plaît, les petits pouces bleus. Puis pour les 50% quasiment qui me regardent et qui sont pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît, ça coûte rien. Ça coûte rien. Moi, ça me fait monter mes abonnés, ça vous fait gagner des concours parce que plus ma chaîne elle monte, plus il y aura de concours. Donc voilà, ça monte, ça monte. Parce que j'ai regardé mes données analytiques, c'est-à-dire mes données par rapport à YouTube, et il y a 50% quasiment du monde qui me regarde et qui n'est pas abonné. Et puis si vous êtes abonné, bah, si vous voulez rien rater, il faut activer la petite cloche. Et encore mieux, pour ceux qui veulent et qui ont Instagram, venez me rejoindre sur Insta, parce que sur Insta aussi je fais des concours. Et surtout, je publie tous les soirs, ou dans la journée aussi, dès que donc je fais un peu de diamond painting, je publie là-bas. L'avancée régulière de mes toiles. Puis après, autrement, vous voyez, bah, tous les lundis. Tous les lundis quand je zappe pas, parce que là, lundi, j'ai zappé. Mais je me croyais dimanche, donc j'ai zappé de vous faire la vidéo. Je l'ai fait en catastrophe. Je l'ai fait en catastrophe. Donc oui, autrement, le lundi, bah, vous avez la vidéo rituelle où je vous montre mes avancées de la semaine. Ça, je trouve que c'est top. Et ça, c'est, bah, c'est mon défi aussi à moi de vous tourner la vidéo toutes les semaines. Et ça m'oblige aussi, bah, en plus bah, du défi, des défis que je fais, de faire bah, m'obliger à faire du diamond painting. Parce que autrement, bah, voilà, le lundi, si j'ai pas la vidéo... ça serait pas sympa de pas vous faire de vidéo le lundi. Non, et puis j'ai envie cette année de faire mon défi personnel, c'est de faire un maximum de toiles, ça c'est déjà ça, mais de faire du diamond painting sur toute l'année, du 1er janvier au 1er janvier. Que les autres années, à chaque fois, il y a des moments où j'ai moins envie, j'ai plus envie, comment dire, ouais, j'ai des passages à vide, j'étais en train de chercher. Il y a les autres années, il y a toujours un moment où j'ai des passages à vide et le diamond painting, je laisse tomber. Et ben, cette année, j'ai dit non, je veux me lancer le défi de faire toute l'année du diamond painting. C'est pour ça que je veux m'inscrire sur un max de défis. Donc bah, pas plus, pas d'autres défis que je vais prendre que les défis vraiment Angélique, Sandrine et bah, celui de Rachel sur toute l'année. Parce que celui de Rachel il est à l'année. Donc voilà. À ces trois personnes là. Voilà. Et tous les mois, je vais faire leur défi si j'ai la toile qu'il me faut. Parce que si j'ai pas, eh ben, je pourrais. Soit je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Mince, je m'embrouille. Mais sinon, non, je vais pas rajouter des toiles par-dessus, des trucs. Ça fait 3 toiles à faire tous les mois, c'est déjà pas mal.
Enfin, Angélique, souvent, c'est sur 2 mois, donc c'est un peu plus confortable. Mais quand même, ça fait quand même pas mal de toile. Mais à la fois, ça me fait faire du diamond painting. Ce qui est plutôt génial. Bon, bah voilà, on avance, on avance, on avance. On avance, on avance. Nanana. Je pense qu'il y a des mamans qui me suivent, j'en suis quasiment sûre. Des mamans d'enfants qui vont à l'école. Dites-moi, est-ce que vous auriez testé? Parce que je compte en acheter un. Peut-être que je l'aurais déjà acheté quand je vous verrai la vidéo, mais je voudrais votre avis sur les peignes. Les peignes à poux électriques qui tuent les poux. Parce que j'ai eu la mauvaise aventure avec mon fils là de 6 ans. Il m'a jamais attrapé un pou et là, à midi, je lui ai taillé les cheveux et qu'est-ce que j'ai vu? Bing! Donc il est traité, là on l'a traité, mais pour éviter les produits chimiques. Pour éviter les produits chimiques, j'aimerais essayer de passer au peigne à poux électrique et j'aurais aimé, s'il y en a qui peuvent me donner leur avis dessus. En tout bien tout honneur, hein, toujours pareil. Tout bien tout honneur, me dire bah, si ça marche, si ça marche pas. Si vous pouvez me conseiller. Du coup, on a tout nettoyé, on va traiter tout le monde, bien sûr. Et la petite, je l'ai traitée, ben voilà, encore une pierre vide. J'en ai marre. On l'a traité en lui faisant un lait de coco, une huile de coco sur les cheveux. Je lui ai fait presque 3 heures d'huile de coco sur les cheveux. Et avant de se coucher, du coup, j'ai été lui faire la douche. Normalement, je lui fais le matin. Le matin. Mais du coup, là, je lui ai fait ce soir. Et on lui a tout bien nettoyé les cheveux. J'ai vérifié, il n'y a rien. Donc, c'est bon, mais je voudrais ouais, passer plutôt encore une pierre vide. Allez hop. Je voudrais passer plutôt à un truc pas bio, mais un truc pas chimique, quoi. Les produits chimiques, c'est bon. Nous, quand on était petits, moi quand j'étais petite, hein, j'ai 35 ans. Quand j'étais petite, maman, mes parents, ils avaient du lentinol. Lentinol, c'était un produit blanc là qu'on mettait sur les cheveux, comme du lait. Ça puait sa mère d'ailleurs, ça puait. Et on laissait ça poser pendant, je sais pas, peut-être une nuit, et puis le lendemain, on nettoyait les cheveux. Et c'était efficace, mais maintenant les poux, ils résistent à tout, donc voilà. Mais on m'a conseillé ça. On m'a conseillé le peigne à poux, le peigne à poux électrique. Donc je vous attends dans les commentaires si vous savez, si vous avez des infos dessus, si voilà, si vous voulez me dire quelque chose, donc allez-y. Voilà, à la fin de presque 1 heure de vidéo, un peu plus d'une heure de vidéo, je commence à chercher ce que je vais vous dire, hein. Mais c'est vrai que c'est embêtant. Il a été à l'école, il avait 2 ans. On a des classes dès 2 ans chez moi dans ma région. Et il a été à l'école à 2 ans. Parce qu'il a eu 2 ans en juin et il a été à la rentrée de septembre qui a suivi. Et il m'a jamais ramené un pou. Ses frères m'ont jamais ramené un pou. Et là, bing, cette année, il a fait un peu frais. Donc du coup, on n'a pas coupé les cheveux tout de suite. Et du coup, là, il a un petit peu de cheveux, un petit peu long, mais pas vraiment. Et du coup, bah voilà. Celle-là, elle est pourrite. Du coup, est-ce que c'est ça qui a porté les poux? Ou alors est-ce que, bah, je sais pas. À l'école, est-ce qu'il a
Il s'est amusé avec une casquette, un chapeau, un bonnet d'un autre, je sais pas. Voilà. C'est compliqué. Donc maintenant, il va falloir faire très attention pour tout le monde. Donc là, je vois pas bien. Il y a 2-3 lettres que je vois pas bien. Je vais prendre mon téléphone, comme à l'habitude. Oups. Je vais éclairer. Alors, les M, ils sont là. Donc là, c'est la deuxième case pour la semaine et on est mercredi. Donc il me reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. 4 jours pour faire l'autre case. Donc je pense sincèrement que je vais la faire demain. Oh là, désolé pour la lumière. Je vais la faire demain et je vais la faire en deux parties, je pense. Donc ça sera la case numéro 7. Je vais vous la montrer après avant de le couper. Donc je vais prendre le R. Le R, il est où le R? Hop. Le vert, c'est du vert. Le R, c'est du vert. Hop. Donc, du coup, je suis désolée pour vous, ça brille un peu peut-être. C'est ce que j'ai l'impression de voir dans mon retour caméra. Je suis désolée. C'est que je vois pas bien. Et comme vous savez, ma tablette A3 m'a lâché. Donc du coup, je n'ai plus de tablette. Et puis pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'aime pas la tablette lumineuse. Certains. Quasiment tous ceux qui me suivent le savent. Hein. La tablette lumineuse et moi, on n'est pas copines. Je sais pas, j'aime pas du tout. Là, il me reste des P, des Q et des L. Hop, c'est bon. Alors, P, P, P. Et bien, en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin si vous êtes arrivé là. Non, il y a un problème avec. Rien. Ouais, ça doit être avec le fichier qu'il y a un problème. Il y a un problème avec le fichier, ça me fait la même. Ouais. Oui, parce que nous, on sait pas faire les. En fait, il faut pour faire les fichiers en 3D pour l'imprimante, il faut créer ces fichiers sur un logiciel qui s'appelle Fusion 360. Et nous, pour l'instant, on ne sait pas créer nos fichiers dessus. Donc, on utilise des fichiers qui sont en ligne, et des fois les fichiers en ligne ils sont pourris. Vous cherchez à imprimer, vous allez réussir une impression et la fois d'après vous réussissez pas, et en fait ça vient juste du fichier. Donc là par contre il y avait deux i, hein. J'ai failli les oublier, je viens de les voir. Moi, je vais faire les deux l et je vais faire les deux i, et voilà, on aura fini. Donc n'oubliez pas de claquer votre emoji licorne, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, ça me ferait plaisir. Voilà, je vais poser les deux derniers. Je vais vous bouger un tout petit peu le temps de prendre la toile vers moi. Et non, pas vers moi parce que je vais pas me montrer, mais juste vous montrer la prochaine case. Hop. Je pousse tout mon merdier. Voilà la cadre. Et donc du coup la prochaine case c'est celle-là. C'est celle-là. Et celle-là, ça correspond à. Ah, ma feuille elle est où? Elle est là. Hop hop hop. Je pense que ça correspond à quelque part par là.
Là, voilà. Là, on vient de faire un bout du porte-manteau là. Et là, ça va être par là. Chiffon d'habits. Il me tarde de faire le petit Mario là de dos et les chaussures, c'est trop beau ça. Donc voilà. Tchouk, je recache. Franchement, elle est trop trop belle. Elle est trop trop belle. Dommage qu'il y ait des pierres qui sont un peu pourries, mais voilà. Puis surtout qu'il y avait beaucoup trop de. Trop de cases qui servaient à rien. Voilà. Trop de lignes qui servaient à rien. Donc je vous fais de gros énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!